bonne chose que j'ai un petit œuf. Et pourquoi l'œuf est si grand? Oh, quel cauchemar! On dirait que Bita n'a vraiment pas de chance. Arrête de rire. Allez, Kizzy, mange ton œuf. La question, Alex, vas-y. Bien, bien. Laisse-moi secouer cet œuf. Je vais essayer une bouchée. Quelque chose ne fonctionne pas. Ok. Oh oui, non, ça n'a pas marché. Tu sais quoi? J'ai quelque chose pour toi. Tiens. Merci. Bon, c'est parti. Oh non! Oh non! Non, please! Ah! C'est dégoûtant, ça! Non, un énorme jaune d'œuf! Je vais être malade! Oh, quel visage que t'as, Alex! Vas-y, mange ton œuf, Casey. Facile! Regarde ce que j'ai! Quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Nous devons d'abord tout préparer. On casse l'œuf et on met directement dans la poêle. Voilà. Oui, c'est génial. Wow! C'est l'heure de manger. Comme c'est bon! C'est tout? Maintenant, c'est ton tour, Vita. Oh non! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il faut des mesures sérieuses. Oh, oh! Wow! J'avais besoin de quelque chose pour me protéger ici. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, fais attention! Oh! Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Attention! Wow! C'est beaucoup de friandises cool d'un coup! J'adore! Génial! Vas-y, partage avec nous, s'il te plaît! Eh bien! Eh bien, voilà! Okay. Voilà, tenez! Cool! Oh, si petit! Si mignon! Wow! Quelle superbe céréale! C'est juste incroyable, c'est tellement énorme! On dirait que tu n'as pas de chance, Vita. Oh, rigolez tant que vous voulez. Oh, j'adore ce bruit. Quoi? Juste une seule? Bon, j'ai du lait, moi. Une seule goutte? Oh non. Pauvre Vita. Oh, vous feriez mieux de manger vos céréales. Je suis tout à fait d'accord. Cool. Miam. Et maintenant, je vais boire du lait. Ouais. Ça a l'air génial, ça. Et maintenant, tout en même temps. Ouais, génial. Oh, c'est tellement pas appétissant, ça. Oh, je sais pas. C'était cool pour moi. Vas-y, c'est ton tour. Comment boire autant du lait? J'ai une idée. Je vais verser toutes les céréales dans un bol. Ouais. Oh, wow. Oui, il y en a beaucoup. Oui, il pleut de céréales. Attrape les céréales! Super! Ajoutons du lait! J'adore! C'est génial! Oui, c'est un bon moment pour manger! C'est incroyablement délicieux! Oui! Je me demande combien de temps il faudra pour tout manger. Regarde! C'est tellement drôle, ça! Oh, j'ai finalement tout mangé! Que s'est-il passé? Je pense que quelqu'un a trop mangé.
Oh, je ne me sens pas très bien. Oh, c'est un beau gâteau, ça. Et moi, j'ai un gros gâteau délicieux en frais. Et vite à regarder ce que qu'est-ce qu'il y a. Wow! Quel gâteau génial que j'ai! Oh, Alex! Regarde, c'est tellement petit! Okay. Rigolez, rigolez! Et moi, je vais commencer à manger! Oh, baby! J'ai même une fourchette et un couteau! Et à la table appropriée! Alors, je vais essayer. Oh oui! C'est vraiment très bon! Je pense que je vais tout manger. C'était vraiment délicieux! Allez, Vita, commence! Oh oui, j'ai commencé! Comme c'est bon! Oui, je vais me lécher les doigts. Comme elle mange mal. Je veux te manger. Ah, je peux pas m'arrêter. Non, mais regardez. La peinture bleue. Pourquoi me rigoler? Ici, vas-y, mange. Je suis tout à fait d'accord. Ouais. Je ne peux pas regarder ça. Oh, c'est tellement bon. Oh, qu'est-ce que vous avez avec vos visages? Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Elle a été clouée par son propre gâteau. Oh oui, c'est passé. Aïe! Et je peux manger ça? Oui, je vais goûter aussi. Tu tailles. J'ai la toute petite pizza. Et moi, ça me va. Oh les filles, j'ai une énorme pizza. Comment je suis censée la manger? Alors, commençons par moi. Moi, je peux manger ma pizza rapidement. Mais bon, moi, je vais pas me salir. Oh oui, que quelques bouchées. Bon, vas-y, continue. Ah, oui, j'ai une idée. Je veux couper ma pizza. Ouais. Par contre, ça va être quelque chose d'intéressant. En spirale. Regardez. Est-ce que quelqu'un a déjà mangé comme ça? Bien sûr que non. C'est ma méthode signature. Et en fait, c'est une façon très rapide de manger de la pizza. Manger des triangles n'est pas d'actualité. Voilà, c'est tout. Oh, moi aussi, j'ai quelque chose de spécial. Voilà ce que je vais faire. Maintenant, c'est un gâteau de pizza. Oui, c'est fait. Maintenant, tu peux goûter et apprécier le goût. Les filles, la pizza est délicieuse. Sauf que je vais mettre beaucoup de temps à manger moi-même. J'ai une idée. Nancy, vas-y, tu peux le faire. Vas-y, Nancy, n'abandonne pas. Oui, oui, oui. Oui, je suis une matin, je peux te manger, je peux te faire. J'ai tout mangé. Oui, Jale. Nancy, tu t'es bien débrouillée. Oh, c'est tellement petit. Et moi, j'ai un énorme Chupa Chups. Ouais. Non, mais regarde ce que j'ai, moi. C'est quoi cette miette que t'as? Ce n'est pas une miette, c'est ma petite Chupa Chups. Mais ce n'est pas grave. Oui, même si c'est petit, je pense que c'est toujours délicieux. Nancy, regarde, Jill. Regarde ce qu'elle fait. Non, pas pourquoi vous rigolez. Oh, il y en a déjà plus. Oh non, tellement dommage. Vas-y, c'est ton tour. Ah oui, bien sûr. Oui, je vais l'ouvrir. Et oui, j'ai réussi. Oh, désolé, je voulais pas. Alors, j'en étais où? Comme c'est délicieux. Est-ce que c'est perpétuel ou quoi? Oh, je crois que j'ai une idée. Quoi? On verra? Oui, oui. Il faut juste ajouter un peu de feu. Les filles, ça va chauffer. Et voilà mon gros Chupa Chups qui se transforme
à une boisson sucrée. Bouton. Oui, je suis pas chups, à l'état liquide, c'est même plus délicieux. Oh, dommage qu'il y en ait... Non mais fais attention, à un côté de toi, je m'inquiète pour ma vie. Non, de moi, Annie, dépêche-toi de manger ton Chupa Chups. Oui, c'est vrai, j'ai hâte de goûter. Oh, waouh, c'est très lourd. Les filles, je peux pas le soulever, aidez-moi. Tire, tire. Oh, j'ai épuisé. Il faut quelqu'un de géant ou... Mon marteau. Les filles, attention. Oui, regardez ce que je vais faire. Quelques coups, il va craquer. Elle ne reste plus qu'un peu de temps. Vas-y, vas-y. Oh oui, c'est fait. Alors, ça a marché. Ouais. Bon goûton. Ça, je comprends, c'est super beau. Oh, je veux encore, encore et encore. Il ne reste plus que des miettes, mais c'est le plus délicieux. Oh non! J'ai la plus petite bouteille de coco! Du monde! Et moi, j'ai une bonne portion! Ça marche pour moi! Regardez par ici! C'est une bouteille géante de coco! Oh wow, Nancy! Non mais regarde! C'est drôle pour toi! Non, ne l'écoute pas! T'es la chose la plus mignonne du monde! Et je suis sûre que t'es la plus savoureuse! C'est vrai? J'en veux encore. Quoi? C'est fini? Ok. T'inquiète pas, Nancy, je vais continuer. Maintenant, nous allons te goûter. Le bonbon au coca. Oh, comme t'es sucré. Oh, Angie, bien joué. What? Et les restes? C'est la meilleure partie. Venez ici. Yes. Ah ouais? Eh? Mon doigt, il est coincé. Okay. T'inquiète pas, je vais t'aider. Oh, vas-y. Non, j'ai pas réussi. Non, si. Oui, c'est aussi simple que ça. Il nous faut du beurre. Vas-y, viens ici, mon doigt. Je vais t'aider. Comme ça. Et maintenant, je peux le prendre. Oui, génial. Et vas-y, continue. Facile. J'ouvre. Ouais, c'est lourd, ça. Non, mais pourquoi tout est si énorme et si lourd? Mais en fait, c'est super bon. Les filles, ne soyez pas jalouses. Oh my god. Non, mais en fait, c'est... Non, mais qu'est-ce que tu dis? Ah, ça? Je vais tout lécher. Et une fois de plus, j'ai la plus petite barre de chocolat. Non, moi, j'aime bien ça. Les filles, j'ai un géant au chocolat. Non, mais elle est en première qui commence. Oui, j'ai eu une idée. Oui, une petite cuisine. Je vais prendre la petite casserole et je vais la mettre juste ici, sur la cuisinière. Je vais mettre la petite tablette de chocolat et je vais ajouter du lait. Voilà, j'allume et j'attends. Oh oui, ça commence à fondre. C'est le chocolat chaud. Je vais tout verser dans une petite tasse. C'est tellement sucré que j'ai même pas envie d'y goûter. Mais c'est quand même délicieux. Oh, c'est tout? Oui, j'ai terminé. C'est à qui? Oh oui! Je les perds à la barre de chocolat de son surplus et je prends une bouchée. Quelle meilleure façon de le faire que celle-là? Oui, j'en ai terminé. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh oui, non, mais j'avais juste faim. Alors... Comment je vais manger ce chocolat? J'ai une idée. Les filles, attention. J'enlève tout ça. C'est tellement appétissant. Bon, commençons. J'ai assemblé toutes mes forces pour écraser le plus possible cette énorme barre de chocolat. Non, si, t'es vraiment une... T'es comme un Hulk. Oui. Non, je vais faire de l'art. Voilà, une maison en chocolat. Ouais, c'est de l'art. Mais il faut aussi de la dégustation. Oh, comme c'est bon! Oh, j'ai une idée. Regardez, je suis dans la maison. Oui, le toit est joli. Les filles, ne me regardez pas comme ça, c'est mon chocolat. Et je vais tout manger. Oh, les murs sont un peu leux. Mais oui. Le reste, un tout petit peu. La dernière bouchée. Voilà,
J'ai eu de la chance, enfin. Un Oreo géant. Waouh. T'as vraiment de la chance. Et pas nous. J'ai honte au petit biscuit. Bon, je ne serai pas lente. Je vais lui donner un bon bain de lait. Je vais essayer. Oh, comme c'est bon. J'ai encore du lait. Les filles, à votre côté. Oui, j'ai vraiment beaucoup de lait. Je peux pas m'arrêter, c'est bon aussi. Alors, qui est le suivant? Vas-y, Nancy. Ah oui, c'est ça. Maintenant, moi. Comme c'est délicieux. J'adore. Alors, oui, le capitaine Oreo va faire un long voyage. Oh non, il est perdu dans l'océan de lait, mais je vais le retrouver. Qu'est-ce que tu fais? Voici le capitaine Oreo. Et je vais quand même vous manger. Vous ne pouvez pas y bâcher un Nancy. J'ai terminé. Jill, ne reste plus que toi. Oui, c'est vrai. Le verre de lait est trop petit. Mais je vais quand même essayer. Oh non, quelque chose ne va pas. Jill, t'es tellement naïve. Bon, j'ai une idée. Versons le lait sur l'Oreo et c'est tout. Et maintenant, je peux essayer. Oh oui! C'est vraiment très bon. Mais le plus bon, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Vas-y, tiens ça. What? Oh, il y en a tellement. Hein? Merci. J'adore les Oreos. Je peux pas m'arrêter. Oh. Une pita aussi petite? C'est pas de chance. Et moi, j'en ai une moyenne. Oh, waouh! Oh! Oh, moi aussi, j'en veux une. Non, mais c'est le challenge. Alors, chacune mange la taille de nourriture qu'il a reçue. Qui va commencer? Moi. Oh, oui, je n'aurai pas assez avec ce truc minuscule, mais c'est mieux que rien. C'est génial! Vraiment? Cool, je peux déjà essayer. Oh, une idée! Je vais utiliser un coup de pizza spécial et faire une spirale. C'est mieux. C'est tellement meilleur comme ça. Et la pizza ne s'épuise pas. C'est génial. Et pour moi, c'est une bonne façon de faire. Alors, je vais empiler toutes les parts les unes sur les autres. Oh, ça a l'air cool. Oh, comment c'est beau. Tu penses à la même chose que moi? Allons-y. Allez, Brittany, tu peux faire ça. Tu peux. Allez, allez. Oh, avec un groupe de soutien comme celui-ci, je suis capable de tout. Oh, tu t'en sors très bien, mais c'est plus difficile que je le pensais. Vas-y, n'abandonne pas. Oh, oui, j'abandonne pas. Il n'en reste juste qu'un petit peu. Et... j'ai terminé. Félicitations. T'es la meilleure, Brittany. Merci, les filles. Je vous adore. Oh non, j'ai encore eu de la nourriture minuscule. Et ça va très bien pour moi. Oh, regardez comme ma barre de chocolat est grosse, Libby. Oui, la portion des mains, c'est quelque chose. Mais pour moi, ça va être très pratique à manger. Et en fait, je sais ce qu'il faut faire. Voilà, j'ai besoin de ma cuisine miniature. Je vais prendre une casserole, allumer le feu sur la cuisinière. Wow! Sarah, laisse-moi aussi regarder. Bien, voilà. Oh, c'est trop mignon. Maintenant, je vais faire fondre la barre de chocolat et accélérer le processus avec une spatule. Et je vais aussi ajouter du lait et faire un délicieux cacao. Oh, vous sentez déjà? Et alors? Maintenant, il est temps pour moi de goûter mon chef-d'œuvre miniature. Voilà. Oh, c'est bon, mais c'est très peu. Oh, t'es tellement comme ça. Non, mais arrêtez de rigoler. Vas-y, mange ton chocolat. Avec plaisir. J'adore le chocolat, je suis hyper hâte à manger au petit déjeuner, au déjeuner ou au dîner. Oh oui, c'est un vrai plaisir. Quoi? Brittany, on sent tes manières. Désolée, je me suis emportée. C'est au tour de Sarah. Hé, tu vas où? T'as déjà mangé ta barre de chocolat? Et ça, c'est à moi. Débarrasse-toi de l'emballage, c'est le moment de faire une maison en chocolat fantasy. Trouvons la taille à l'aide d'un mètre du ruban. Voilà, maintenant je peux utiliser la scie. Comme on dit, il faut mesurer 7 fois et couper une fois.
Dans mon cas, il faut couper cette fois. Le toit est prêt, les murs sont prêts. Oh, j'ai toujours rêvé d'une maison en chocolat. Waouh, c'est cool. Merci. Et enfin, quelque chose d'agréable, la dégustation. Waouh, perfecto. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais n'importe quoi. Oh, c'est ma maison.